Shit. Half the Ishimura's in the red. She can't escape her fate. But who can? Transporter le monolithe jusqu'au pied des stalles. Oh, voilà. Et j'hallucine où il y a. Déjà là, c'est concis pour la première fois du jeu. Et surtout, il n'y a pas de point à la fin. D'habitude, il y a toujours une majuscule et un point. Si tu remarques bien, il y a toujours ça. Ou alors peut-être que c'est moi qui deviens fou. Ouais, calme-toi. Si tu veux le faire si vite que ça, fais-le toi-même. Beaucoup plus large. Il y en a une qui est pas contente. Attends. Non. Je veux le bon angle. Oh, attends. Chiche. Y'a pas un truc qui brille là? Ah, je pouvais pas le ramasser, putain de merde. Voilà. Incroyable. Ok. Tiens, le trancheur te permet de garder ça. C'est incroyable aussi. Une balle de trancheur, c'est... Et ça me donne accès à cette merde. Ensuite... Oh, j'ai pas regardé exactement où menait le chemin de l'autre truc que j'ai pété. Attends, je l'aurais raté comme un débile. Parce que là, je peux pas continuer, on est d'accord? Ouais, on peut pas continuer. Oh non, non, d'accord. Attends. Ah non, la passerelle, elle marche toujours pas. Oh, ok. Je pensais que les deux étaient entremêlés et passaient par là. D'accord. Mais...
Merci. Attends, on va juste commencer le travail. Voilà. C'est de la triche, hein. Je suis d'accord. À ce niveau-là, c'est de la triche. Je suis sincèrement d'accord, c'est... Je commence même à penser que je vais arrêter de l'utiliser. Mais le sentiment, il est trop feel-good, en fait. Hey, j'en ai tué deux avec l'explosion, quand même. Pas mal. Ok. Non, attends, cette fois-ci, je vais pas l'utiliser. Je vais pas utiliser mon trancheur. Ça peut faire mal. Y'a pas un autre truc? Ça marche. Calme-toi. Wow! Aïe, connasse! Tiens, ton repas du soir, t'auras accès à manger. Eh, j'ai dit que j'utiliserai pas le trancheur, mais j'ai pas dit que j'utiliserai pas le beam. Là, ça. Journal de patient. Qu'est-ce que ça fout là? Abernathy, clinique Aegis 7. Transcription automatisée. Docteur Abernathy. J'ai mis en quarantaine les anciens docteur Clifton et Hogan. On est barricadés à l'intérieur. J'ai l'impression de tenir un journal complet. Quoi qu'il se passe là-bas, il semble y avoir différents vecteurs d'infection. Il faut que quelqu'un garde une trace si le signal du monolithe peut changer un corps à distance, nous devons le savoir. C'est le cas. Mise à jour. La poitrine du corps de Clifton a commencé à gonfler comme si on prenait une grande inspiration. Quelque chose... Putain, t'es un docteur, mec? Docteur Abernathy, mec, t'as pas une description plus médicale? Bon, en fait, son ventre, il commençait à gonfler comme s'il pétait à l'intérieur de lui. Je sais pas trop comment ça se passe. Quelque chose semble se produire sous la surface de la peau. Le corps convulse, il y a un liquide jaune saumâtre qui jaillit de sa bouche. Il s'étouffe, mais il... Oh mon dieu, j'espère que c'est une libération de gaz. Ah d'accord, ça a explosé sur sa gueule. Mise à jour. Ok, maintenant il y a... Putain, comment il hésite? C'est un vrai docteur ou... Attends. J'ai mis en quarantaine les anciens docteurs Clifford et Hogan. On est barricadés à l'intérieur. Journal de patient... Ah, peut-être que c'était un assistant pas trop, tu vois, c'était son premier travail, j'imagine. Parce que là, mec, c'est plus qu'aléatoire. L'œsophage gonfle et la mâchoire est en train de lâcher. La tête se divise en deux. Elle est en train de se reformer. On dirait presque une trompe avec des antennes. Un infecteur. La poitrine se divise désormais en son centre. La poitrine se sépare en deux et elle s'étend. Elle s'étend vers l'extérieur alors que les organes internes, les muscles et les os sont repliés vers l'intérieur. Puis-je avoir un scanner? Non, le scanner, merci. Ah ouais, c'est en live. Putain, le mec est en train de faire un live Twitch. Donc, les organes internes sont réorganisés. C'est la structure... la structure n'est pas... Il semblerait qu'il y ait un organe central ressemblant à une énorme vessie. C'est pour le liquide qui accélère la modification corporelle.
physique. La vessie est remplie d'un liquide dont une partie s'écoule de la trompe de la créature. J'en déduis que les deux doivent être connectés. Mise à jour, les jambes tremblent violemment, la chaise se décolle et fusionne avec la chair de sa poitrine. Merde, désolé. La jambe vient de se plier... Ah ouais, putain, le mec il voit ça en direct. Chanceux. La jambe vient de se plier en arrière et l'autre vient de craquer au niveau du genou, putain. Il commence à s'asseoir. Il semble entièrement réanimé. Est-ce qu'on peut... Allô ? La sécurité ? Quelqu'un de libre ? Pour pratiquer une euthanasie. Ce n'est pas possible, je dois vraiment faire... Ça toi-même, ouais. Les éclaboussures sur le verre rendent l'observation difficile. J'ai manqué la transformation du docteur Hogan. Mais ce n'est pas le... Ses jambes s'allongent. On dirait qu'elle balance toute seule. Elles se tordent avec un mélange de ses propres organes internes. Ont un seul appendice. On dirait une sorte de queue. Son visage se contorsionne. Lui, c'est, tu sais, le chien. Son contorsionne. Sa mâchoire se serre et se desserre. C'est on dirait qu'il se mâche lui-même. Et merde, plusieurs appendices qui ressemblent à des mâchoires sortent de sa bouche. Mais ils ne peuvent pas... peuvent pas s'adapter à... Putain de merde, sa tête s'ouvre aussi, mais comme celle de Clifford, je ne peux pas. Bruit de vomissement. Ouais, bah, mec. Mise à jour. Oh, merde. Il fait le tour de la pièce, c'est pas comme Clifford. Que Clifton. On dirait qu'il chasse. Est-ce qu'il me voit? Non. Non, les conduits. Il se dirige vers les conduits. Sécurité? Sécurité? Y'a quelqu'un? Hey! Bruit d'impact, hurlement, bruit de mastication organique. Le mec était derrière la vitre. Donc il y a un chien qui s'est libéré, qui a commencé à faire un massacre, et l'infecteur juste derrière a suivi. Voilà comment ça a commencé. Signal de cette saloperie. Les plus faibles, comme on disait, poussés à la folie, au suicide, ou avoir des hallucinations comme Harris, et voir une infirmière, pas comme une infirmière, la tuer, avoir ainsi un corps qui peut être recombiné en infecteur ou en chasseur. Et ça commence comme ça. Et la peau morte. La peau morte. Voilà. Des pellicules ou une connerie comme ça. Tout ce qui est organique qui vient de toi, dans l'event, ça s'accumule pour faire de la biomasse. Et après ça, est recombiné si besoin en infecteur ou en nécromorphe. En gros, tant qu'il y a de la matière organique et que ce truc est encore là, t'es un peu dans la merde. J'ai pas beaucoup de soins. En vrai, là je suis sur ma... Ok. Y'avait pas une réserve de stase là-bas? Attends, y'avait pas un truc de stase quelque part ici? Genre y en avait partout ailleurs à l'intérieur, mais là y en a pas. Ok. Parce que c'est vraiment une bonne idée de l'amener. Je suis en train de me dire là tout de suite. Oh, ça l'a fait. Oh putain. Ouais, bon, je déconne, hein. En vrai je vais l'utiliser. C'est trop fort pour ne pas être utilisé. Ouais, c'est beaucoup trop fort. Wow! Allez, t'es en armure. Ta gueule! Je suis occupé. D'autres volontaires? Non.
Ok. Nikki, chérie, tu disais quoi déjà? Commande du chargeur. Même en sachant ce que c'est, ce que ça va faire, il y a mon instinct qui me dit de pas faire ça, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Vas-y. Ok. Le monolithe a été ramené, mais cette dernière impulsion a fait sauter les attaches gravitationnelles. C'est une impulsion électromagnétique, cette merde en plus. Il faut que je les relance pour gagner du temps avant que le chargement de Shimura ne s'effondre. Parce que en... C'est ça. Ah, attends. Je vais te parler après. I gave you a chance to come around, Isaac. But if you still won't see it, I'll help you. One last time. Wriggling override. This time, watch to the end. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. J'ai essayé de me sourire, Nicole. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Just had a talk. That's all this research was in the end. Not much, is it? Just how to make it listen when he begged for convergence. Ils ont changé le message. It spoke. Then it listened. Make this stop, I said. Maybe it understood, but...
You did this to yourself. Nicole's been dead this whole time. You just couldn't handle it, could you? Because if she's gone, at least now it'll be in safe hands. The marker won't turn anyone else into its puppet. Give me the loader remote. No. It's over. We're whole again. For Christ's sake, I'm not going to ask again, Cross. No! Enough people have died! Then just do it. I've got nothing left to lose. Cross! It's better this way, Isaac. You'll never recover from what the marker's done to you. And when the tectonic load drops, all this will be buried. Just like Earth goes on it. Warning, seismic activity increasing. Evacuate to safe location. Ok, là, beaucoup à dire. Alors, ce n'était pas elle, ça n'a jamais été elle. C'était Cross, le monolithe, c'est lui qui a fait ça, et Daniels va bientôt s'échapper. Mon dernier espoir est d'aller à la navette avant que le chargement s'effondre. D'abord, là, c'est le dernier sprint, on parlera après. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec Cross. Je suis pas sûr d'apprécier ce qu'ils ont fait par rapport à l'original, parce que dans l'original, Cross avait réussi à trouver Temple, et ils meurent tous les deux contre Marcus. Quand au moment Temple y arrive, Cross elle est morte au sol. Et Temple y a accroché une chaise. Alors que là, justement, il y avait que Temple, j'étais étonné, elle est où Cross? Mais intéressant pour histoire que jusqu'à la fin, les nouveaux, ils se disent: ah non, Nicole, en fait, elle était réelle. Ok, c'est intéressant. Mais oui, donc en fait. On y va. Oula. Shuttle. I can still make it before she leaves. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un que ça a énervé. Ok. Là, si ça te prépare pas pour un combat de boss, je sais pas ce que c'est. Hein. Après, il y a pas mal d'argent. J'ai tout pris? Ok. Ok, alors, dernier sprint. J'ai 6 points de force. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu quelqu'un qui pleurait. Alors, là, il n'y a plus rien à faire. En fait, je suis bon. Ok. Non mais en fait, j'ai plus besoin de points de force. Enfin, si, forcément, pour les trophées, j'imagine que t'as un truc quand t'augmentes tout. Mais là, tout de suite, non, pas pour moi. J'ai toutes les améliorations spéciales. Ok. Les dégâts sont augmentés au maximum, la tenue pareil. À la limite. Si je peux gratter un trophée juste pour la tenue. Non? Bon, dans tous les cas, c'est bon. Alors. Attends, maintenant que j'y pense. Soin. Mon inventaire est complet.
Ouais, ça va, j'ai de la place, j'ai de la place. Voilà. Et le choc laser, ça peut être pas mal. Je pense que je suis bon. Il y avait pas une recharge de stase sur ce mur ? Fuck. Oh ! Last warning, Isaac. I mean it. Alors, on peut partir tous les deux, hein. Encore en vite? En vie? En vite, en vite. Ok, c'était un peu plus dramatique. Ok. Wow! Putain, ce plan, il impressionne même encore aujourd'hui. Badass. Oh oh. Wow. Tu sais quoi, je vais faire ça. The fuck is... Oh putain, c'est l'idée de génie en fait ce que je viens de faire. C'était une idée de génie. Pour assembler tout le loot. Ah, ça donne du loot. J'avoue que le fusil d'assaut là aurait été pas mal. Ok. Je vais essayer d'économiser, de répartir les dégâts. Ok. D'ailleurs, attends, ça me fait penser. Tu es la reine mère. Danielle est morte, mais la reine mère rôde et m'empêche d'atteindre la navette. Je n'ai plus le choix, je vais devoir la battre. Oui, c'est important pour moi. Oui. Faut que je le lise. Ta gueule. Ça fait mal, hein? Arc. J'ai du mal à la toucher. Ok. Je crois que c'est juste au contact que ça explose. Ah mais par contre, ma visée, c'est de la merde. Ok. Oh bah putain, sur la fin, j'ai cloche. Dégage. Ok. Ah
M'envoyer tes petites merdes ne va pas te faire gagner, hein. Ok. C'est bon ? Eh, moi aussi j'ai mes petites astuces. Moi aussi. Oh, oh. What? Oh. C'est dur à courir, putain de merde. Cours. Oh. Oh ouais, ça marche. Oh, ça marche d'ici. Parfait. J'en ai 57. Oh, j'ai la marge. Ouais. J'avoue, ça met du temps à courir, hein. Appuie sur le bouton. Ok, je sais pas comment je fais pour esquiver, mais j'esquive. Ça, c'est un slam, non. D'accord, ouais, je vais courir avec R1. Avec L1. Beaucoup plus simple. Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de courir avec le joystick. Enfin, t'avances avec le joystick et... Mais je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus simple avec le... Avec L1. Alors que le joystick, putain, c'est... T'as fini de me cracher ta merde au visage? J'aime pas qu'on me jette des trucs au visage. Aïe. Ah non, et là je peux pas courir avec elle. Il y avait pas une autre touche à la base. Wow, sur diagonale. Petite futée. Ouais, non, mais là, je me le prends. Voilà. Ah mais en fait il y a aucun moment où il me chope la jambe. Ok. Pas besoin de viser avec le choc laser, connard. Pas besoin. Dégage. Oh. Quitter la planète. Mais attends, je comprends pas. Journal personnel, c'est quoi la description de l'objectif? Ok. Attends. C'est apparu maintenant ou... Non. Attends, juste pour le lol.
Non, d'accord, il n'y avait plus rien. Attends, par contre, dégueulasse. Ouais, non, toi tu restes là, Monolith. Toi tu vas bien rester gentiment ici. Attends, on est monté vite en, atmosphère. Devrait faire popper les trophées après la cinématique. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. Mais la façon, mais c'est pas un vrai jumpscare, mais ah, attends, je vais aux toilettes et je reviens. Je peux faire pause, c'est parfait. Oh là là. En vrai, putain de merde. Ah, le jumpscare à la fin, c'était imprévu quand là c'était ça, ils ont calmé le jumpscare. C'est t'entends Nikki parler d'abord et après tu la vois là. Sur le siège, alors que dans l'original t'avais vraiment ce truc où il tourne la tête à droite et d'un coup elle pop à l'écran en criant, alors que là franchement il voulait pas faire peur. Oh là là, mais en vrai putain de merde. Donc la musique elle est un peu forte, hein. Ce qui s'est passé sur la fin, c'est que le monolithe, en le remettant sur son piédestal, n'avait pas pour vocation à arrêter l'épidémie et la reine mère entre guillemets. C'est une manipulation du monolithe, donc de Kain et de moi-même, et de Elizabeth Cross, pour justement le remettre sur piédestal pour que le signal soit amplifié. Parce que je crois qu'il y a eu un document comme ça où Mercer parlait comme quoi pour que la convergence ait lieu, il faut que le créateur soit absorbé. Et il parlait justement, peut-être que c'est lui avec Harris et ce qu'il faisait, que peut-être que ça se ferait. Sauf qu'en fait, non. Le créateur, c'est celui qui a fait le monolithe. Et le monolithe, vu qu'il est d'origine terrestre, c'est le créateur. C'est l'humain. Sauf que ce truc a été planqué là depuis je sais pas maintenant combien de temps. Donc le mec est mort. Dans tous les cas, la convergence n'aurait jamais pu arriver à terme. Jamais elle aurait pu se passer. Par contre, ce que le monolithe voulait, c'est que les gens assez intelligents comme Isaac Clarke et tout ça, ramènent le monolithe sur le piédestal pour que le signal soit amplifié. Et pour mettre dans le cerveau le blueprint, les plans de conception du monolithe. Pour que justement, quelqu'un puisse recréer en boucle les monolithes. Tout simplement. Parce que là, il n'y avait pas assez de matière en plus, il n'y avait pas assez de biomasse et tout ça pour enclencher une convergence. Voilà, en gros c'est ça. Dans tous les cas, c'était une manipulation du monolithe. Et c'est tout, j'ai envie de dire. Surtout que là, c'est un peu plus clair, parce que dans l'original, ils savaient pas exactement encore où ils voulaient aller, et c'est qu'à partir du 2 où vraiment, ils étaient en mode, ok, on va faire ça avec l'histoire du monolithe. Alors que dans le 1, c'était vraiment encore... Et là, on le sent aussi, forcément, il y a une trace, c'est qu'à la base, Dead Space, ça devait s'appeler Rancid Moon. En gros, Moon, Lune, Rancid, morte. Je sais plus comment par quoi se traduit Rancid, mais en gros, c'est un truc pas cool. Et quand, en gros, t'avais la reine mère, c'était un alien
emprisonné sous la planète et que le marqueur, d'où l'importance du terme marqueur, c'était une balise qui permettait d'emprisonner la reine-mère. Et ça, on le voit, ça a été gardé dans la théorie du « oui, il faut ramener le monolithe ». Alors qu'en réalité, vu que le jeu a changé forcément, c'est pas la première esquisse, le monolithe, il voulait juste implémenter le signal et c'est juste ça. Au moment où on le pose sur le piédestal, Isaac qui se prend la tête et tout ça, c'est il a le signal. Donc au final, manipulation du début à la fin, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Kendra. Parce qu'à la base, Kendra Daniels a travaillé pour le gouvernement, mais le gouvernement, dans le 1, c'était clair qu'il voulait reprendre le monolithe pour refaire des expériences dessus. Alors que là, t'es avec elle en fait, puisqu'elle veut planquer le monolithe pour pas que ça se reproduise. Donc au final, au final, j'étais... Putain, la musique elle est vraiment forte. Hein. Attends, je vais baisser... Non, genre... Mais au final, je suis assez d'accord avec ce qui s'est passé. Enfin, j'aime bien comment le développement de personnage avec Kendra s'est déroulé. J'ai été étonné par Cross. Est-ce que vraiment j'apprécie par rapport à l'original, je sais pas. Mais c'est subjectif. Je comprends qu'il voulait que le personnage... tu penses que Nikki était réelle jusqu'au bout. C'est intéressant. Mais voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Attends, je pense que je vais passer ça. Ah non, je peux pas. Mais en vrai, c'est une masterclass. Sans déconner, je m'attendais pas à ça de sa part. Sur ce jeu, je m'attendais pas du tout à ce niveau de qualité. Frostbite, ouais, le moteur graphique, putain, ouais, on l'a vu. Hein. Putain, merde, les effets lumineux, tout ça. Mais... Il y a plein de trucs à mentionner. Bah, justement, le Monster Frostbite, le son, la lumière, c'était une putain de direction artistique, mais incroyable. Les whispers, les chuchotements qui ont été amplifiés, parce qu'à la base, dans l'original, c'était juste 5-6 chuchotements qui tournaient en boucle, et ça, c'était juste pour l'ambiance. Alors que là, t'as vraiment des trucs, des messages, t'as même des easter eggs par rapport à Dead Space 2, à Dead Space 3, à Extraction, c'est... Franchement, forcément, vu que t'as la suite, tu peux faire un jeu beaucoup plus complet, t'as la notion de convergence, t'as les notions de lune, elles ont faim, tout ça, même avec Aris, t'avais un truc comme ça. Courir, au final, aussi, au tout début, dans les trailers et tout ça, quand on voyait Isaac courir, j'étais dubitatif au début, mais au final, c'est organique. Comment tu cours, c'est vraiment cool, t'es à l'aise avec sa façon de courir et sa façon de bouger. Franchement, c'était sympa. Après, par rapport, oui, l'histoire Dead Space 2, Dead Space 3, c'est un rendu plus smooth vers une transition vers Dead Space 2. Forcément, vu que là, ils savent qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, là, c'était évidemment nécessaire. Le jeu est un peu moins linéaire, aussi. Et ça fait du bien, notamment par les missions secondaires, par le passe-partout, les pièces et les niveaux d'habilité. Tu reviens à des lieux, dans des zones, qu'à la base, tu ne revenais pas dans l'original. Et le fait qu'aussi tu peux revenir à n'importe quel moment. Parce que dans l'original, quand tu finissais un chapitre, tu t'arrivais dans le tram, c'était à la fin du chapitre, et le tram t'amenait là où tu devais aller pour la suite. Alors que là, le tram, c'est un truc qui te permet de te déplacer à travers le vaisseau. Et franchement, c'est un très bon concept. C'était incroyable. Le fait que tu puisses revenir, qu'il y ait un problème à l'aile médicale, que le tram s'arrête et tout ça, l'ambiance, repasser par les zones... du début aussi, les raccourcis qui te forcent à passer pour arriver dans de nouvelles zones, à passer par des lieux qui, dans l'original, t'arrivaient qu'une fois. Par exemple, le changement de tram. Et franchement, ça te met tellement le stress de repasser par des zones comme ça alors que tu pensais les avoir clean. Franchement, c'est intelligent. Franchement, ça a été intelligent. Forcément, Isaac aussi, il parle maintenant. Ça donne plus de consistance à l'histoire et d'implication du personnage. Moi, j'aime bien. C'est un peu cool. Ils ont rien enlevé aussi. Et vraiment, c'est ça. Ils ont rajouté des trucs. Ils ont rien enlevé à part quelques modifications en termes de personnages et de l'histoire. Mais en soi, le thème de Dead Space 2008, alors. Remis au goût du jour. Même quoi que, c'est exactement le même. Mais ils ont rien enlevé. Les mêmes pièces. Les mêmes monstres. Peut-être les monstres, quand ils sont un peu plus difficiles à tuer. Avant, ils étaient vraiment noirs. Tu voyais la différence quand c'était un solide.
Or que là, c'était pas si clair que ça visuellement parlant, surtout qu'il y a beaucoup de particules, d'effets, de sons qui sautent à l'écran. Donc parfois, c'est même encore là, je sais pas quand c'est insolide. Enfin, et c'est que quand je tire dessus avec mon cutter plasma que je me rends compte qu'il crève pas en deux coups. Et oui, donc ils enlèvent rien, t'as des nouvelles portes, justement dans l'aile médicale, après avoir pris le choc thermique, mais la bombe. Justement, t'as des nouvelles routes, t'as des nouveaux chemins, t'as des raccourcis, Franchement, c'est incroyable. C'est les rigs à trouver pour le passe-partout, c'est... Tu te sens vraiment dans un truc où tu trouves des cadavres, des gens qui appartenaient au vaisseau. Même les costumes, il y a un lien. T'es beaucoup plus proche avec le vaisseau que dans l'original où Isaac avait quand même une tenue d'ingénieur, mais t'es vraiment différent du reste. Là, non. Là, c'était pas le cas. Mais donc, oui, nouvelle porte, mais ça reste le même vaisseau, ça reste les mêmes portes, les mêmes sons, la même ambiance, les mêmes textures, en fait, mais c'est juste version 2023. L'ambiance... C'est la même, mais en plus, c'est sous stéroïde. En fait, c'est 2008 sous stéroïde. Vraiment, c'est incroyable. Et cette ambiance qui te fait que t'es tout le temps sur le qui-vive. Ça, franchement, c'était incroyable. Enfin, j'ai pas de mots, en fait. J'ai pris quelques notes vite fait des détails les plus importants. Mais ça lui rend pas justice, en fait, à ce jeu de parler comme ça. En tout cas, c'est... Mon ressenti, on va dire. Mais t'as quoi d'autre, en plus? T'as la musique, ouais, en parlant de musique. Beaucoup plus réminiscente d'Alien. Il y a vraiment, surtout en 0G, t'as tellement l'ambiance Alien. C'est genre déjà de base, forcément t'as l'influence Alien. Resident Evil, The Thing, tout ça. Et même encore plein d'autres trucs, même... Tous les films d'horreur des années depuis les années 60 sont sûrement dans ce jeu. Mais là, la musique a vraiment poussé le concept encore plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'évolution du vaisseau. Le vaisseau évolue avec le jeu. Vu que tu reviens, t'as l'évolution avec la biomasse qui s'accumule sur les murs, t'as le vaisseau qui tombe qui part en couille. L'influence du marqueur qui commence avec les écrits sur les murs, qui vraiment, tu vois, te travaille au corps au final. Et il rajoute parfois justement la salle des cultures dans l'ascenseur. Je me rappelle qu'il y avait un message dans l'ascenseur qui n'était pas là quand j'étais arrivé au tout début. Donc vraiment, ça permet à la tension, à l'ambiance, tout ça, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait dessus. En plus avec le... La carte, elle est un peu plus utile, c'est vrai, je pensais à la carte. La carte, même si elle est toujours aussi compliquée par rapport à l'original à manœuvrer, la carte est beaucoup plus utile à savoir où est-ce que tu dois retourner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ensuite? Le combat contre le Léviathan dans le garde-manger, bah forcément, vu que le déplacement aérien, enfin en 0G, a été repris depuis Dead Space 2, forcément, le combat est bien mieux, bien plus intéressant que le combat original. Et ça recrée toute une dynamique qui est vraiment intéressante et était beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa, et là ça ressemblait plus à un combat de boss. Autre combat de boss, t'as le Hunter. Moi, mon plaisir coupable, ça aurait été qu'il te poursuive un peu plus. Genre qu'il sorte un peu plus activement des vents et qu'il te poursuive. Mais ce qu'ils ont fait avec, ils l'ont vraiment agrandi. Son rôle à travers tout le quartier d'équipage, ils l'ont agrandi. Et il pop pas juste une fois, et franchement, c'est agréable. Ils ont fait un truc, encore avec les missions secondaires, ils ont vraiment approfondi le truc dans tous les sens du terme, et ça fait vraiment plaisir. Tu te sens vraiment dans un univers. C'est cool, c'est pas juste un mob comme ça de base qui est plus fort que les autres. C'est, on sent l'implication morbide de Marcus derrière ça. Et Marcus aussi, incroyable. Même si, là aussi, c'est subjectif, mais je suis pas sûr que sa mort me plaise, parce que dans l'original, il se donne volontiers à un infecteur que tu trouves quelques instants après. Alors que là, je sais pas, le fait que il se soit... Tu vois, là c'est plus une mort cathartique pour le joueur. Attends, la musique, elle s'emballe. Je m'entends même plus respirer et penser, putain.
Incroyable la musique. Mais ouais, la mort de Marcus, elle est cathartique pour le joueur, elle fait du bien, mais en soi, le mec, dans sa folie, justement, je pense qu'il n'était pas affecté par le marqueur, comme Lexin dans Extraction et dans le DLC de Dead Space 2, parce qu'il y en a certains humains qui sont immunisés au signal du marqueur. Ça, c'est un autre concept. Mais je pense qu'il était vraiment à l'abri, puisqu'il montrait aucun symptôme de paranoïa ou de choses comme ça, et même il le mentionnait sur les autres. Mais c'était juste que lui, dans sa religion, il était à fond en fait. C'était. Pour lui, c'était normal qu'il y ait une convergence et qu'il fallait l'actionner. Donc, je comprends pas pourquoi il pense qu'on lui a. Je comprends pas pourquoi il pense en criant ouais, vous m'avez refusé ça alors que j'ai tout fait pour vous. De base, dans sa théorie, normalement quand il meurt, il donne son corps au monolithe. Donc ça, c'était à mon avis plus pour faire plaisir aux joueurs. Mais bon, en soi, c'est pas un détail qui gêne en soi. C'est notre façon de voir le truc, comme avec Elizabeth Cross, c'est pas horrible, tu vois. C'est, ça dépend de la personne, et je comprends que c'est purement subjectif. Le jeu en soi est un peu moins compliqué aussi. Maintenant que j'y pense, il est un peu moins compliqué. Là, je joue en hardcore, en fin de mémoire, pas en impossible. Impossible, c'est vraiment la même difficulté qu'en hardcore, mais si tu meurs, bah tu recommences depuis le début. Mais au final, je suis mort que contre l'environnement de mémoire. La centrifugeuse, forcément, c'est un classique. Et le vaisseau à bord de l'USM Valor quand il y avait la bombe nucléaire. Mais en soi, je suis pas mort contre les nécromorphes. Le début, il est un peu compliqué. Il y a des moments où tu calcules quand même un peu tes balles et les soins. Ça, je m'en rappelle un peu. Mais une fois que tu commences à snowball, on va dire, les points de force, et que tu commences à upgrade ta santé, tes armes, ça, c'est le problème inhérent à Dead Space, que ce soit dans le 1, l'original, le 2, le 3, c'est que dès que tu améliores tes armes deviennent trop craquées et en fait, tu roules sur le jeu. Mais en soi, le jeu a été quand même simplifié. Le fait que tu puisses pas, t'as pas à bouger le monolithe ou les trucs comme ça. Il y avait certaines salles où il y avait moins de nécromorphes, ou alors il y en avait pas du tout, ou alors c'était quelque chose de différent. Ce qui fait que, alors que par exemple Resident Evil 4 Remake, je me dis qu'en hardcore, la difficulté c'était peut-être parfois un peu injuste. Par exemple, le problème avec Capcom du fait que c'est des sacs à PV. Là, je dirais que fallait peut-être rehausser un peu la difficulté, peut-être les dégâts que te font les nécromorphes en mid-game, à partir du mid-game. Parce qu'une fois que t'as ta barre de vie un peu trop élevée, mec, les seules fois où je subissais vraiment de dégâts, c'était à cause de moi avec mon tir secondaire du trancheur. Franchement, je pense que la difficulté, à part si je débloque encore des niveaux de difficulté supérieurs, je pense que le jeu est beaucoup plus simple, franchement beaucoup plus simple. Ouais, justement, puissance des armes. La puissance des armes, ça, c'est un sentiment feel good quand même. Même si tu deviens vraiment pété, les armes, le sentiment de faire les tirs secondaires, les combinaisons entre différentes tirs secondaires d'armes, c'est vraiment, mais tellement un plaisir de balancer un tir secondaire du Mega PK et ensuite balancer mon choc laser, c'est vraiment, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, t'as vraiment l'impression de rouler sur le jeu, mais dans le bon sens. C'est ça, c'est dans le bon sens. La musique part en couille encore une fois. Mais la description des portes aussi, ça c'est, je fais mon oculaire de mouche, un peu trop longue. Tu vois, moi j'aime bien lire ce qui est, et après lire un peu les décors et vraiment voir ce qui est autour de moi et voir où je vais aller, où je vais avec la description des portes. Je trouvais que c'était un peu trop lent. Mais ça, je fais mon enculeur de mouche encore une fois. C'est vraiment personnel. Par rapport aux portes. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Quand tu rentrais dans une porte qui avait une zone qui explosait à l'espace, tu sais, cet effet vacuum où toutes les affaires sortent. Ça, je trouve que c'était vachement bien géré. T'avais des couloirs où l'aile médicale où tout pétait, tout se plaquait contre le mur. C'est vraiment incroyable.
les nouvelles cinématiques aussi avec Isaac pour le corps du capitaine ou quand il se fait avoir par une tentacule. Franchement, t'es tellement dedans, quoi, c'est ça. Franchement, incroyable. Il y a aussi un truc qui était intéressant. C'était quand tu écrases un truc au sol, Isaac il crie. Mais plusieurs fois, et sans faire exprès, j'appuie sur la touche en même temps en voulant tirer. J'appuie sur, parce que les touches sur PS5, c'est quand même les bumpers sont vraiment l'un à côté de l'autre. Parfois, ton doigt peut un peu drifter sur la touche R2 pour écraser. Et ce qui fait que tu tires quand même, mais ton personnage crie. Et je trouve que, en vrai, ça donnait tellement de charisme que Isaac, un peu à l'instar de Resident Evil 2 Remake, avec Léon et Claire, qui réagissent quand l'ennemi est en face. Et d'entendre Isaac crier quand il tirait, ces moments-là, même si c'était pas fait exprès, et j'imagine que c'était pas intentionnel, je trouvais que ça donnait tellement plus de cachet au jeu quand un écomorphe est à côté de toi, et Isaac qui crie en tirant, genre, mais dégage, putain. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Même si j'ai pas vraiment insisté sur écraser au sol, donc je me rappelle pas si là il commence à jurer, je pense. Qu'est-ce que je pourrais aussi dire encore? Parce que le générique il dure longtemps, putain, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le jeu. Fuck! Les transitions. Les transitions sont beaucoup plus organiques. C'est pas ce truc, dès que t'as fini, tu vas au SRAM et c'est la fin du chapitre et il faut faire passer. Là, t'as juste une petite fenêtre qui s'ouvre et qui dit fin du chapitre. Donc, c'est beaucoup plus organique, même si j'avoue que ça manque quand même. T'avais ce truc du « Ok, j'ai fini le chapitre, t'arrives au tram ». Y a quand même ce sentiment de récompense et de... Ah, j'ai le terme anglais, désolé, mais de relief. C'est de... Oh! J'ai le terme anglais, mais j'ai plus le terme français, putain de merde. Je suis vraiment un chien. Grand merci à l'équipe de développement du premier Dead Space qui nous inspire à chaque étape du projet. Pff, mec, vous avez fait une masterclass. 50 000 creux. Mais bon. Alors, 50 000 crédits offerts, 10 points de force, journaux textuels obtenus. Comment ça? Tenue Rig de soldat avancé niveau 6. Partie terminée. Le lancement d'une nouvelle partie conservera les armes, les objets, les crédits et les améliorations de votre partie terminée. Vous pouvez les récupérer dans le stockage de n'importe quelle boutique que vous rencontrez. Vous pouvez vous attendre à affronter de nouveaux ennemis et peut-être de nouveaux mystères à découvrir. Oh! Ouais, non, d'accord, j'étais en difficile. Attends. Quoi? Attends. J'étais pas en difficile? Isaac subit bien plus de dégâts, les ennemis subissent beaucoup moins de dégâts. Attends. Isaac et ses ennemis subissent tous les dégâts par défaut. Attends. Et j'ai joué en moyen et pas en difficile? Ah bah alors le côté difficile, difficulté, les ennemis subissent pas beaucoup de dégâts, ça, j'enlève tout de suite. Je retire ce que j'ai dit, j'ai pas vu cette difficulté. Ah merde! Ah non, je retire absolument ce que j'ai dit par rapport à ça. Putain, je pensais sincèrement avoir lancé le jeu en difficile. Ou alors... Quoi? Ou alors c'était bloqué. Attends, je vais regarder l'épisode 1, je pense, parce que je pense sincèrement que si j'avais le choix entre difficile et moyen et qu'il y avait juste ça qui était marqué, j'aurais pris le difficile. What? Ok, bon, attends. Ok, non mais d'accord, bah ma faute alors. Alors ma faute, le jeu était, pour une difficulté moyenne, le jeu était parfaitement équilibré. Je retire ce que j'ai dit, et si le jeu était un tout petit peu plus difficile et que c'est le mode hardcore, bah c'est que le jeu est parfaitement équilibré. Mais bon... Outre ce petit oupsi de ma part. Et je suis dégoûté en fait. Putain. Mais sinon. À froid, à chaud. Ma note sur 10. Bah. Franchement.
C'est une masterclass dans tous les sens du terme. En plus, a priori, t'as du contenu en New Game Plus. Moi, je donne là à chaud. Après, la note à froid, la deuxième partie du 20 sur 20, ça, c'est après quelques années quand vraiment, voilà. Mais à chaud, 10 sur 10. Y a rien qui était frustrant dans le jeu. Absolument rien. Tout était bien. Tout était parfait. C'était absolument parfait. Et j'arrive pas à croire que je dis ça, mais je le mets au même niveau que Resident Evil 1 Remake. Absolument au même niveau. C'est littéralement la même soupe, la même chose, mais on te rajoute des choses, on te rajoute du lore, parfois quelques petits changements par-ci par-là, mais pas un truc qui est complètement game breaker et qui dénature l'œuvre d'origine. Donc, c'est absolument une masterclass. Et j'ai envie de dire que ça a presque changé complètement avec Resident Evil 4 Remake. Ça a changé ma façon de voir le remake et de me dire ouais, Dead Space 2 ne mérite pas un remake parce que visuellement parlant, il tient encore la route. Mais franchement, j'ai envie de voir avec ce studio-là, Motive, qu'ils ont fait une masterclass. J'ai envie de les voir tester Dead Space 2 remake. J'ai envie de voir ce qu'ils font dessus et même peut-être corriger aussi le 3. J'ai vraiment envie de voir ça. Je reste sur ma faim, j'ai envie de voir ça. Mais après, est-ce que le jeu s'est bien vendu? Et même si c'est bien vendu, vu que c'est Electronic Arts, on sait que pour eux, un jeu bien vendu, c'est un jeu qui s'est vendu à 35 milliards d'exemplaires. Est-ce que c'était un miracle, ce jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de... C'est là que je me dis que quand un jeu est bien fait, quand le remake est parfait, c'est franchement, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus. Et c'est un remake... Par exemple, Resident Evil 4 Remake, c'est différent, c'est carrément une réimagination. Je l'ai mal dit, mais bon. Mais ils ont enlevé des trucs alors que là, masterclass. Bon, je trouve que j'ai un peu trop parlé. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça a plu. Sur ce...